Salut YouTube. On se retrouve pour une petite bière. Donnez vos poissons au chef cuisinier. Tying's good for the whole ecosystem down here, so thanks. You're helping make the underworld a better place. Vous savez quoi? Just keep dying over and over and everything will be fine. Bon, désolé YouTube, il y a une VOD que tu verras pas, c'est celle où j'ai voulu jouer avec la mitraillette au clavier souris et mon jeu à softlock, et ensuite j'ai joué à la manette et c'était affreux, sauf si je mettais l'aide à la visée ou j'avais juste à tirer et pas viser, et donc c'était de la merde. Mais on a avancé sur la prophétie. Prince, your father, I think he's pretty steamed right now about something, so maybe you could stay away from him, or I could tell him you're not here. That's quite all right, Dusa. I'm not afraid of him, and neither should you be. You're the best help he's ever found. Just doing my job. Oh là là, Dusa, elle a le crush sur nous. Hein. Hey, look at what I got out there, Achilles, sir. A vintage bottle of ambrosia plucked straight from Elysium. I hear this stuff is very good, but can't even open it. I've no idea what to do. Ah, les grosses bouteilles là. The drink of the gods. I hear. Ah, j'en ai deux trois maintenant. But only for recipients. Celle que j'obtiens en battant Thésée à chaque fois. Perhaps hang on to it until it's ripe for use. Somebody would be grateful, I am sure. Or it could fetch you something from the wretched broker over there. Sell it or keep it, huh? À vendre ou à garder, merde, j'ai pas fait gaffe du tout. Alors c'est quoi du coup? Secours. Oula, y a embrouille là. You are not to aid him in these matters, Nyx. His foolishness is to be scorned and reprimanded, not indulged. Do we have an understanding? We have an understanding, Hades, yes. He is your own son after all, and therefore your responsibility. I, in turn, have my commitments to this realm and to this house. You have aided me in them, so I remain, as ever, in your debt. It is not necessary to remind me. Surely all those who once defied my brothers and myself would much prefer a post within my house over eternity with the darkness of Tartarus. Je vais les garder. Darkness there would trouble you. Je vais les garder, de toute façon, je pars. Merci pas Tomaru pour le prime. Orpheus, forgive my bluntness here, but I have to ask, why won't you sing? You were oui, par pitié. A court musician. Why, it's that I've lost my muse, my friend. It isn't harder to explain than that. Ah, mais je sais où elle est. Moments in your life where you had lost the will to chase your passions. I suppose I have, yeah. But recently I found my drive again. And that's why I have to get out of here. And I am truly happy for you, friend. Alas, I've had no luck in my own search. Not that I'm searching any longer, so I'll just be over here, okay? The head chef is going to want this fish. Oui, alors faut que je ramène des poissons au cuisinier. The ancient casks of wine hidden within the recesses of the house of Lord Hades. Few have tasted the intoxicating vintage they contain, and fewer still okay, Mimi, merci. Are permitted anywhere near their vicinity. Still waiting for the festive occasion when we'll open one of these. Trade you these horrid things. Ah! Oh putain! Quand je pense que j'ai loupé trois poissons, ça me donne plein de ressources, j'ai envie d'en finir avec la vie. I'm not even remotely interested in chatting with these agrias. Ok. Je suis deg. Je suis full deg. Ah! That's one prophecy out of the way. 120, c'est 150 hein, je crois pour upgrader des trucs. Ah, la première fois où je terminerai un run, j'aurai 1000 balles, hein. Enfin 1000 obsidiennes. The power of night. Bon, le gun, ça m'a emmerdé hein. Might want to check your stash of weapons, yo. So the strangest thing happened while you were out, boy, yo. One of your weapon holder things back there, it picked up this eerie glow. Could see it from the corner of my eye. Calm down, Skelly. I'm sure whatever it is perfectly normal for a legendary semi-sentient titan-slaying weapon from the dawn of time.
That's just it. Those weapons of yours, they have seen some real business, pal. You're giving them a... Oh, il y a encore une nouvelle mécanique, là? Maybe they're starting to like you or something. Oh, yeah, yeah, c'est pas vrai, ça s'arrête jamais. You know, like you and me. I should go check it out. Il y a la loyauté des armes, maintenant? Qu'est-ce qui se passe? This ought to be good. Révélé? Ah, c'est avec le sang, là? What in blazes? Stygius, you're revealing your past. Jesus, okay. Toujours plus de contenu. Okay, c'était cool, hein. Le run full Shoryuken, c'était rigolo. L'arc, ça a été notre run le plus taré en termes de DPS. La lance est sympa aussi. Attends, je comprends pas. Ah, technique, appuyez sur Y pour utiliser l'arme spéciale. L'attaque spéciale de votre arme. Mais dégâts, portée, vitesse de technique, plus 0%. Je comprends pas. Faut que je fasse des trucs derrière. Parce que là, ça me coûte quand même 1 de sang de faire cette merde. Bah, l'arc, du coup, je dois avoir de meilleures stats, non? J'ai tué 772 ennemis, ça suffit pas pour avancer plus? Vas-y, je vais brider l'arc. Oui, d'accord, ok. Il fallait que j'aille là pour voir. Chance d'attaque critique. Mais ça, comment je le débloque? Ah, merde! Merde, en fait, je pouvais directement! Attends, mais je comprends pas. C'est que... Le problème, c'est que oui, c'est... Oh merde, fais chier, je voulais pas. D'accord, donc en gros... Faut que je choisisse... Ouais, ça c'est pas des bonus qui se stackent sur l'arc à l'infini. C'est... Je vais devoir choisir le skin de mon arc et... Ok. Vos techniques visent automatiquement le dernier ennemi touché par votre attaque. Nombre de flèches par technique, 9 passe à 3. Et donc là, j'ai plus que... Attends, mais faut que je teste pour comprendre exactement de quoi il en retourne. New arrows or something there, pal? D'accord. Il faut quand même faire une attaque normale pour que... Ah, ouais. Ah oui, tu peux reset vite fait pour... oui, bien sûr. Go again? Far greater gods than I once wielded you. Ouais, en effet, c'est fort. Ensuite, les crits, c'était incroyable aussi, mais... Bah, vas-y. Coronox, awaken. Je comprends comment ça peut être full débile, on va jouer ça. My keepsakes. Ah, du coup, il y a le truc pour faire plus de dégâts aux ennemis éloignés. Unlock avant de buff, le sang des titans, c'est rare. Ah. Oui, si je reset, je peux l'amener niveau 3. C'est fort, mais sûrement plus pratique que la souris. Ah, ça. Mais quoique c'est auto-aim, hein, du coup. Sinon, full crit, quoi. What in blazes? Coronact, is this what you really are? Regardez un peu, ouais. La forme sous laquelle les points jumeaux se sont manifestés pour la première fois. On gagne des chances d'esquive. 5% par niveau? C'est très fort. Votre
technique, donc le Y devient point magnétique. La traction inflige 20 points de dégâts. Votre technique attire vos ennemis vers vous, puis pendant 4 secondes, votre attaque ainsi que vos relancés leur infligent plus de dégâts. Et donc c'est un Shoryuken qui les ramène. Enfin du coup, ouais, qui est une attaque qui les drive vers nous. Et après là, c'est les lancer. Alors, que j'ai 12 points. Coup avec votre attaque, votre prochaine technique frappe plusieurs fois. Et l'aspect inconnu, peut-être débloquer les 3. Bonus et attaque speed et déplacement. Vous cumulez avec la plume d'Hermès là. 3 secondes après votre technique, votre attaque peut infliger des dégâts critiques. 15% de base, ok. Votre technique déloge les cristaux de vos ennemis. Dégâts d'attaque et d'assaut. Ok, ouais. Après une charge du taureau, votre prochaine charge du taureau, c'est maintenir enfoncé. Votre prochaine technique lance plusieurs boucliers. Marrant. Votre technique devient un disque foudroyant. Ah oui, d'accord. Il fait des DPS en plus. La forme sous laquelle la lance éternelle, oui, on s'en fout. Dégâts portés et vitesse. Waouh! Oui, sur la technique. La technique, c'est quoi la technique avec la lance? C'est là-haut? Non, là-haut, c'est quand on charge. Si, je sais plus ce que c'était. La lance, je l'ai joué qu'une fois. Balayage devient balayage punitif. Balayage, oui, c'est quand on laisse enfoncer. Oui, d'accord. Ah oui, c'est le lancer-retour. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Bah moi, je suis plutôt team Arc, mais j'ai du mal à définir si je veux jouer Zagreus ou Chiron. Parce que j'ai évidemment le sale exemple de la partie la plus folle qu'on a faite. C'était le build full crit avec Artemis, quoi. Où on faisait des 1000 plus de dégâts. Mais bon, tout le monde va dire que Chiron, c'est incroyable. Alors voilà, j'en ai plus rien à foutre. All right, I'm ready. En vrai, 1, 2, 3, ouais, j'ai le temps de faire 3 lancers, ok. Merde, j'ai pris quoi? J'ai pris l'œuf? Je sais pas ce que j'ai pris en souvenir. Starter Ares. Ah non, j'ai pris le... Ah, j'ai pris le porte-monnaie? Bon bah j'ai du pognon. Je le prends après normalement, mais c'est chier, à l'œuf c'était mieux. Pour commencer. Artemis, ça aurait été incroyable. Ah oui, sinon fallait mettre le charme Artemis, ouais. Maudit donc. Bah alors le lancer c'est nul à chier, hein, officiel. Peut-être sur la technique, hein, au moins je mets un truc. Violence. Momentum speed, on connaît. Ça fait plus de DPS, donc why not? Et vu que c'est sûr de toucher cette merde. More witches. Bravo! C'est désespérant. Ok. C'est dalle. Point de dégâts, c'est pas énorme, mais ensuite ça, tout dépend si ça passe avant les pourcentages. Ouais, j'imagine que oui.
on peut plus faire de tir puissant. Mais on peut spammer, ok. Ah oui, bah oui, sinon le shotgun, ouais. Le fameux shotgun où on avait bourré comme Jaja. Je pense que je vais prendre le 1 parce qu'on joue full technique maintenant. Et je l'ai jamais pris, donc c'est marrant. La pêche. Fishing time then. A knucklehead. Ah putain, ça va chier. Plus jamais je louperai un poisson quoi. J'en ai loupé 4 quoi avant d'en avoir un, c'est bon. Ah y'a un KO là. Bravo. Ah, j'ai pas l'œuf et j'ai le Devil Deal. Ma vie est dégueulasse. Évidemment qu'on y va. Alors. Pour les 4 prochains combats, on ne gagne pas d'argent. Ensuite, mon lancer infligera plus 30% de dégâts. Les ennemis tués vous jettent une bombe infernale. Hein. Épique. Vous ne pouvez pas récupérer de lancer. Ensuite, les bienfaits entrent. What? Comment? Bon, c'est pas applicable dès maintenant. Zeus Dionysos. Zeus. Il est bien. Épique, d'accord, mais ça aurait été sûrement mieux sur la technique que sur l'attaque, non? C'est ça que je comprends pas. Une étincelle, c'est le OZEF le plus total, non? Ou c'est bien? J'ai flingué mon build avec ARS. Non mais on pourra le remplacer, la technique d'arrêt. Je peux la revendre et en récupérer une autre, c'est pas grave. Vas-y, je vais prendre la vengeance. Aussi nul que ce soit. Artemis, boss, shop. J'ai 306 balles. Ah oui, j'ai commencé avec le pognon, c'est vrai.
Putain. Artemis ou le shop. On a envie de farmer tous les dieux, toutes les divinités, pas forcément quoi. Mais ça m'enlève une salle du chaos. Ensuite, bon, c'est pas les pires. Hein. Mais j'ai que ça. Je m'en fous d'up ça en vrai. Et l'aspect de Chiron, on me proposera jamais de le. Mais c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Oui, ouais, ça, je vais pas le monter. C'est juste comme ça et c'est tout. On est bien d'accord que ça, je le monte seulement avec le sang au début. Je peux pas le monter en run. Thank you, mate. Oh putain, c'est ça qui est épique. Quel dommage. L'élan divin en rare. Gods. 144. Si, en fait, ça me fait chier de monter Arès. Qu'est-ce qui serait le plus fou sur ma technique? Un truc qui est génial à stacker en boucle. Ah, Dionysos en fait, non? Ah oui, et la glace aussi. Ah oui, ou Zeus, bien sûr. Évidemment, il n'a pas proposé. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, l'élan. Oui, c'est vrai que l'élan, on s'en foutait de le... Ouais. Arès, c'est fort parce que je tacle les malédictions. Ouais, j'aurais pu upper Arès, en vrai. C'est vrai que le DPS du dash, on s'en fout. Ce qui est fort, c'est que ça renvoie. Bon. Donc, je suis au bout de ma vie. Ouais, j'aurais peut-être dû apparaître. Bon, c'est pas grave. Artemis, c'est bon bail aussi. Ah, c'est lui, putain. Ah, il garde pas le truc. Évidemment, mais comme un idiot quoi. Oui, en effet, c'est plus facile. Techniques for just anybody's Agrius, so you better appreciate what you're about to get and use it to go far. OK. Tous les dégâts critiques, ouais. C'est ça que je me dis, ouais, l'arc critique, si tu fous la Sim Parthémis, ça doit être incroyable quand même, hein. Over here. Ok, ma malédiction est levée. Donc à partir de maintenant, alors qu'on a plutôt eu d'excellents rôles hein, sur la qualité des bienfaits, il y a 36% de chance qu'il y ait des... Ok, cool. Code qualité supérieure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Enough, I've better things to do. There we go. Good enough.
c'est vrai que l'auto-aim est fort, hein. Indéniable. Pourquoi je bouge pas? Pourquoi je suis un connard? Superbe. Oh oui. J'adore quand ça whiff. Poteau. On va lui demander du gold. Manette, ça va vachement bien avec l'auto-aim. Ouais, le problème de l'auto-aim, c'est que... sur l'arc, ça me faisait un peu chier parce que je voulais vraiment viser comme je veux. Et sur le gun, c'était beaucoup trop broken parce qu'à ce moment-là, il fallait juste se mettre au milieu de la masse et bourrer pour que ça tire. Qu'il n'y ait aucun tir qui loupe. Je jouerai clavier soit un jour, je vous le jure. Alors. Just on a little break. Ah mais arrête, j'aurais dû le up en vrai. Est-ce que je vais avoir autre chose? On verra. Ça reste du DPS qui stack. Est-ce que ça stack à mort? Je sais pas. Il y avait une limite, il y a une limite de stack sur les dégâts à rebondissement, à retard à... de Ares. Attendez, je mets du tabac dans ma vapoteuse. Bon, ça va être du pognon, hein. Comme il se doit, hein. Ares ne se cumule pas. Ah oui, donc du coup, là, il y a un vrai problème. Oui, ça se stack qu'une fois, mais tu augmentes les dégâts, ouais, d'accord. Je vois. Pognon. A fine selection there. Cheers, mate. Cheers. Bon, en plus, il y a le shop, donc c'était un no-brainer. Take care. Le boss pour des obsidiennes. Sad story, bro. Athena ou le HP? Athéna, j'ai son dash. Qu'est-ce que je peux avoir d'Athéna encore? Athéna, elle a des buffs sympas aussi, hein, il me semble, mais... Ah oui, Athéna pour KO. C'est vrai que maintenant, j'ai plus de chances d'avoir de choses meilleures. Je grid à mort. Nombreuses attaques pourront effectuer un envoi. Oui, ça c'était bien. Ah non, mais c'est de dos, donc on s'en fout un peu. Ça c'était vite fait, Osef. Est-ce que je vais vraiment prendre ce truc de merde? Le tir de phalange était pas mal, mais il était lent. Allez, je prends le truc de newbie et du coup j'ai pas mon HP up et du coup ma vie est dégueulasse. Merci à tous. C'est vrai que des pièges j'en prends. Oh well. C'est laquelle? Oh non, murderer. How about no? No murder. No murder. Perle. C'est vrai que j'envoie tout ça. Mais pourquoi je reste devant elle? Pourquoi je m'offre? Elle est où? Elle est là. Not again. Non mais je fais exprès de m'offrir là quand même, c'est grave.
Mais oui, voilà, mais tellement la grille de vouloir mettre du DPS avec mon tir, non mais c'est indéfendable ce que je suis en train de faire. C'était facile, mais j'aurais pu perdre beaucoup moins de vie. Ah, j'ai regagné de la vie au prochain. Je vais pas partir sur Cerber. Cerber, c'est plus pour la fin, quoique. L'argent, c'est réglé en tout cas. En vrai, si je passe par. Si... J'aurais dû prendre le HP max parce que si je pars pas sur Cerber à la fin, je peux partir sur ça qui est cool. 20% de dégâts aux ennemis éloignés, c'est quand même complètement dingue. Sinon, je vais chercher à tout prix une divinité. Artemis ou Zeus? Qu'est-ce que je cherche avec Artemis? Sur mon triangle, je veux Zeus, visiblement. Artemis sur le triangle? Plus que Zeus, alors? Déméter aussi, ouais, qui est pas dégueulasse. Taquer la glace. Ah oui, crit avec Artemis, ouais, c'est vrai. Puis moi, je suis un peu le plus gros simp d'Artemis, quoi. Might help. Vas-y, je vends Arès. Le connard. Direct. Rien à foutre. Let's go up. Ah, mais 4h du mat, est-ce que c'est vraiment sérieux? Non. On va mettre 8 réveils, du gold. Oh là, mais quel connard je suis. Comment je grille trop? C'est tentant, hein, bien sûr, mais quand même. Incroyable, hein. En coup sournois en plus, c'est vraiment une honte. Oh, il est vivant lui. Et je vais dessus. Au secours. Thank the gods. Oh. Oh. Micheline. Ange de mes amours. Micheline. Mais attendez, si je prends le truc des trois prochains... Des trois prochaines bénédictions... sont de qualité supérieure, mais qu'en plus il y a le stack d'Artemis qui se met et qu'en plus il y a le chaos qui se met, est-ce que ça se cumule? Parce qu'il y a un moment où avec beaucoup de moules j'ai héroïque. Ah oui, d'accord. Off we go. D'accord. Eurydice. Come in. C'est en effet tentant. Tell me something there, your royal majesty. You know a lot of shades. You wouldn't happen to know an Orpheus, would you? Spindly little thing. Ah, on avance sur le lore des amoureux. Making music. Of course I know Orpheus. We're mates. Wait, why do you ask? You're mates, huh? Just as long as you don't count on him for anything. Hasn't even mentioned me, has he? Well, if he ever does, you tell him I am doing great. I'm great. Elle est trop stylée, la DA, j'adore.
Elle est trop stylée. Bah ça alors, hein. For you. Ooh, that's good. Amélioration de tech. Till next time. Okay, bye. Oh merde! J'avais pas vu que je pouvais renvoyer les bombes. Je sais pas trop quoi en penser. C'est nice. Delicious. Ok, là on dit 20, pas forcément worse de l'augmenter quoi. Ah oui. Pump power. On est bien d'accord que j'ai aucun intérêt de le faire. Juste aucun. Parce que ces ennemis-là vont pas me donner du gold quoi. Un poisson? Ah oui. Tout à fait. The fishing point. Au son. Now. Upper station. OK. Allez, allez, que toutes les étoiles s'alignent. Oh, quel enfer. C'est sympa. Mais c'est infernal en fait. C'est la mort du fun. Ok. Mais comment tu le whiff en fait? Super. Évidemment. L'enfer. Merci Old Past pour les 3 siècles. Merci Hokobios. Morito. Trop de bon contenu pour se taper des pubs de mort. Ah oui, je sais pas si vous avez ça. Parce que moi, j'avoue, en tant que streamer, vu que des fois je vous retransmets des streams style PlayStation et compagnie, donc c'est juste évidemment pour ça, hein, que c'est vrai que j'avais un bloqueur de pub. Sauf que maintenant, c'est fini. Moi, j'ai rien contre le fait de me taper des pubs. Parce que, par exemple, quand je fais une pause de 5 minutes et qu'il y a juste de la musique, c'est là où je balance 3 minutes de pub. Alors, les gens gueulent, ils disent « Quoi ? Ça fait 2 heures que je suis là et ils se prennent 3 minutes de pub, hein, salaud ?» Et ça, je m'en fous. Sauf que maintenant, en fait, c'est trop chiant. Je regarde Creep, je regarde plein de gens, Shroud et machin. Et genre, il se passe un truc, il va faire un frag et paf, j'ai la pub au pif qui part ou deux pubs au pif qui partent. Et en fait... Le délire derrière ça, c'est que si je vous mets par exemple 3 minutes de pub, je décale le pré-roll du pif que vous allez vous taper de une demi-heure, 40 minutes. Donc ça a un intérêt de faire des vraies pauses pub, entre guillemets.
Mais ouais, en fait, c'est quelqu'un qui ne met pas des pubs en se disant c'est plus cool pour ma commu. En fait, non, parce qu'il y a les, mid-rolls aléatoires qui arrivent. Ils ont viré les pubs mid-rolls. Putain, bah moi, je me les tapais à des moments incongrus, quoi. Olympus, I accept this message. Pas de héroïque, mais quand même de l'épique. La technique mortelle, la fameuse technique mortelle, on l'a trouvée. Merci à toutes et tous d'y avoir cru. Ok. On l'aurait trouvé en héroïque, c'était la fin du game, je pense. Hein. Mais on va pas se plaindre quand même. Alors, hey, mais attendez, c'est très bien ça. Look at all that coin. Une upgrade de tech, bah allons-y. On commence à la 3. Ah, je vais prendre la 3. C'est quoi la 3? Ah merde, mais c'était sur le lancer, non? Bon, vous inquiétez pas, on aura d'autres occasions, j'en suis sûr. Regardez bien ce qui va se passer sur les dégâts de cette merde. Regardez bien. Vous allez voir que on n'est pas si mal. Voilà. Le 3, fallait prendre tir de soutien en épique. Ah, c'était insane. Faut que je retrouve de l'Artemis alors. Putain, j'aurais pas dû up ça. De toute façon, j'ai pas encore de l'Artemis. Putain, mais Artemis, c'est trop bien en vrai. Moi, je suis full simp d'Artemis. Hein. Dégâts techniques 88%. Ou augmenter. Ouais. Ah merde. Alors attendez, du coup ça, il y a recumul, non? C'est-à-dire que si je tombe sur un Artemis, qu'en plus il y a KO, qu'en plus il y a la pelote. Just what I need. On verra bien. Ok. Le problème, c'est que j'ai aucune assurance de tomber sur Artemis. Nectar. Les points jumeaux sont loin de l'arme la plus broken. On a fait une partie arme jumeaux, c'était très sympa. Shoryuken partie. C'est une partie qui allait à Hades, hein, je crois d'ailleurs. Ah, la musique à la Diablo. Incroyable. Oh là là, heureusement. Pas mal Athéna, vu que j'ai toujours le réflexe de, de foncer sur les grenades adverses. Il faut que je fasse gaffe au... petit poisson, dis-moi ton nom, petit poisson. Upgrade de tech ou shop, pognon ici. J'ai beaucoup de thunes. Mais l'upgrade de tech, hein. Ah, il y a un sound cue pour le poisson. Ok, merci. Upgrade de tech, upgrade de tech, c'est pas mal, c'est gratuit, hein. Vous êtes team shop, vous? Peut-être un Artemis dans le shop. Ouais, ouais. Merci Bibin Forever pour le Prime. Merci à toutes et tous. N'oubliez pas, hein. Prime Gaming, Twitch Prime, sauve des vies. Hein. Ça sauve des vies.
En plus, avec Prime Video, vous pouvez voir Lost. Et Lost, c'est trop bien. Ok. Aléatoire, upgrade d'armes. Ok. How goes it, Zagreus? We can switch to a different boon. Youhou! Ah bah non, les Landivins, on le garde. Quoi? 230% de dégâts. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Ah oui, Marc du Chasseur, c'était incroyable. Ah, elle est juste rare. Quel dommage que ce soit pas épique. Attends, mais quand ils disent qu'il est ciblé... Rassurez-moi, non. C'est pas débile, c'est pas la même cible. C'est pas la même cible de je peux spammer à la technique comme un connard. Ça serait complètement broken. De toute façon, oui, on va prendre ça, mais... Bien sûr. I'll take this one. Alors qu'est-ce qui est le plus worse là? Bah c'est les c'est les 6% de dégâts critiques ou les 11% de dégâts normaux? Plus c'est le 1 qui est plus worse. Oui, forcément. Allez, le poteau. Moi, je pense qu'il n'y a pas kiffé le poteau. Oh là 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 là, oh là là. Heureusement, mine de rien, parce que j'ai que 75 de vie. Hein. Et autant j'ai envie de prendre... autant j'ai envie de prendre le truc pour faire plus mal de loin de 20%. Autant je me dis que c'est peut-être le moment de prendre le collier de Cerber, quoi. Surtout qu'au Styx, je pourrais pas changer. J'ai vraiment peu de vie, quoi. Should I change things up? Parce que ça, c'est le prochain bienfait, c'est le moment où je le mets. Peut-être là, si je le remets, et encore, non. Ah, je peux plus avoir l'effet de la pointe de diamant. 20€ sur Steam. Et 10€ de moins, enfin moins sur le Epic Game Store avec le... Vous prenez Rocket League.
gratuitement, vous avez 10€ de réduc et vous pouvez l'avoir à 10€ de réduc avec le code créateur Mister MV. Bon. Allez, prenons les HP. Allez chercher des métaires. Ouais. Non, vas-y. Prends la life. Obtenez 44 balles en échange d'un sacrifice de sang. Ah, y'a ça. Merci Iron Gabi pour les 5 siècles, merci beaucoup. Next region. Ouais. Ah, Dédale, ça serait pas mal. Allez, Dédale ici, là. Ici, il y a Dédale. Ça nous arrivait la dernière fois. Pourquoi ça n'arriverait pas? Pourquoi on n'irait pas le droit? Up de tech ou HP? Je pense que je peux commencer à banquer sur les HP. Les techniques, elles sont déjà assez avancées. En tout cas, les importantes, celles d'Artemis. Le jeu à 10€ sur Epic Store sans le coupon de réduc? What? Bah c'est beau. J'ai pas de lancer, ça c'est un peu dommage par contre. J'ai encore la bénédiction, faudra que je regarde si j'ai encore la bénédiction de la meuf de... Merde. L'Orphée. Ça c'est ballot quand même. Oh, horrible truc, c'est vrai qu'il y a ces ennemis de merde là. D'accord. Mais putain, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, tout est chiant, tout est chiant. Oh là là, mais putain. Ok. Voilà, par pitié, qu'on en finisse. Okay. Oh, ça fait plaisir par contre. I feel stronger. Oh, hein? Un petit Hermès boosté là. Ouais, c'est marqué, non? Si j'ai encore sa bénédiction de... Non, je l'ai plus, hein. Si? Non. Le prochain bienfait, si. Donc, on peut avoir un Hermès énervé là. Ou bien je reprends HP up et je décale encore pour essayer de trouver Artemis ou Zeus. Hermès, c'est bien en général. De la survie? Non, tue rapidement. Ok. Voici, je les prends. C'est une Axis. What? C'est quoi ce nectar bonus? D'accord. Ego Hermès. Miss. Oh là là. Quoi? Mais putain, mais quelle vie! Thank you.
l'ai déjà sim, Permès. Quoique, je vais bientôt arriver dans une situation où j'aurai au moins filé un nectar à tout le monde, mais... J'ai pas de bienfait immédiat de lui donner un nectar. Parce que Hermès, on en est là. Apprenez en plus en acceptant les bienfaits de cette divinité 7, et ouais... Et aussi une Parthémis. Ah, ça. Gives his lightning blessings to me, he's quite invested in what happens to you, isn't he? Nice. Okay. Ça, c'est pas mal, faut juste s'en souvenir. Et ça, c'est la grid, mais c'est un peu tard pour grid, ça au moins c'est... Ouais, je vends ça. Ok. C'est vrai que la prime me permettait de faire masse de pognon sur, dans le Styx. Et bon. Ouais, c'est vrai que la grid au Styx, c'est 50-60 balles par... Mais putain, mais... Oh là là, c'est chiant. C'est chiant de pas être précis, c'est chiant. C'est chiant le stick. Oh oui, vous êtes stacké. Ça, c'est un très bon choix. Ouais, voilà, tant mieux. Ils vont m'en mettre un deuxième. Ah, j'ai plus le nectar, c'était tellement fou. Ouh. T'as 4h30, vous êtes 6000 encore, bravo. Enfin, je sais pas si je dois dire bravo ou vous dire que c'est lamentable, mais merci en tout cas. Ok. Que c'est broken, hein. Quel con de rester près de lui. Respirer.
see that, Coronacht. Allez, Dédale. Fais-moi rêver. Ah oui, les fameuses flèches jumelles. Mais là, cette fois-ci, on joue pas flèche, on joue technique. Oh, quoi Perfect. D'accord. Oh. Juste incroyable en vrai. Bah la vie c'est bien, mais l'autre c'est mieux hein. Attendez, parce que l'autre c'est quoi? Parce qu'on sait que notre amie musicienne c'est complètement broken. Ça pour ce que c'est pas dégueulasse. I'll pay for that. Il fait quoi déjà l'autre? Ah oui non, parce qu'il y avait les refus de la mort. Ah c'est le buff de 60% d'attaque. Ah mais c'est 60% sur mon attaque avec X, c'est pas sur tous mes dégâts. Si c'est sur tous mes dégâts d'accord mais... Nectar. Ah, faut le nectar lui, je l'ai pas nectar encore. Ça buff pas la technique. Ok. Merci. No one's here. Ouais, une fontaine en plus. J'ai pris le truc de restauration sur les trois prochaines salles. Alors que je me tape la petite fontaine du plaisir. Arès, on s'en bat la bite. C'est moi qui hallucine ou il scintille plus que d'habitude? Ou c'est moi qui hallucine? Genre il scintille plus parce qu'il est plus fou. J'ai rien sur mon attaque par contre. J'ai mon dash et ma technique mais j'ai rien sur mon lancer. Et le lancer d'arrêt c'est pourri. Scintille parce que c'est sur un boss. Ouais non vas-y quoi. Je continue à farmer de l'HP, j'en ai plus rien à foutre. Come on you. Ah, c'est vrai, ok. Quel con! Et pourquoi je le touche pas? Pourquoi ma vie est nulle? J'adore les rambardez-vous. Oh, ce que j'ai pris là? Non, ça va, ouais. Oh, pied de pierre. Ah, mais ils attaquent ou ils servent à rien? J'ai l'impression que le. Je comprends pas le but. L'intérêt des œufs qui font spawner là. Au moins que ça les réinvoque derrière, mais. Ah oui, c'est vrai que ma technique qui maintenant envoie masse, c'est incroyable. Oh là là, ouais. Oh, c'est vraiment fou le dédale que j'ai eu là. Quel plaisir. La vengeance céleste, c'est pas terrible, mais à 35 balles, quand même. Ah, Zeus d'ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est Zeus. Avoir Zeus en étincelle, c'est nul. Peut-être en lancer. Peut-être un dieu. Je sais pas si j'ai intérêt de... Ensuite, des golds. Ouais, non, je vais pas prendre des golds quand même, faut pas déconner. Ok. Je,
voulais que tu... Voilà, le piège. Merci. Oh là là. What the fuck? Mais je reste dans les pièges, moi. Heureusement que j'ai pris le truc pour prendre moins de dégâts, hein. Merde, c'est vrai. Pourquoi se prendre la tête? Au secours. Waouh. Oh là là, comment j'ai grid. C'est vrai que les archers sont chiants. J'ai beaucoup trop grid. Oh, bouge, bouge, bouge. C'est chiant. Du beaucoup là. Oui, les pièges, j'adore ça. Oui, donc on a dit sur l'attaque, frappe foudroyante, c'est zéro. Les effets électriques, ben j'en ai aucun. Le lancer, l'étincelle d'une, d'un à l'autre. C'est même pas un rare, quoi. C'est vraiment la misère. Hein. Ça va être lancé, hein. Tout le reste, c'était vraiment aux FTA. Hmm. Ah, encore? Pourquoi pas en réalité, hein? Oh, c'est nul. Azelus. Ah oui, putain, Ben, putain, mais merde, le gacha là, je le perds du temps sur le gacha là. Innocence, mais quelle gridance débile, hein. Ça devrait être interdit, ça. Et par pitié, par pitié. Ah. Autour. Oh, les chiants, les chiants, les chiants, les archers de mort. Merci pour le food. Oh. Faut faire des feintes, faut faire des feintes, faut les arnaquer. Voilà. Par pitié. Merci. Probablement Hermès, hein, le prochain shop qui compte, c'est Styx. Et c'est l'avant-boss. Pas des gold, on dirait pas.
in the name of Hades. Ouf. Quoi ? 3 dash supplémentaires ? Oh là là, oh là là. En même temps, est-ce que la rapidité... Dash, c'est fou. 20% sur la technique, j'arrive pas à m'en rendre compte. Parce que sur l'attaque, c'est hyper important. Mais la technique, elle se lance super vite. Ensuite, si 20%, ça me permet vraiment de rentrer une attaque ciblée de plus, c'est worse. Mais 5 dash, bordel de merde. Ah, si celui-là avait été en épique. Les dash pour la haut dash, 5 dash, 5 renvois. Je pense que ça, quand même, en termes de, ouais, de gameplay, de confort de vie, là. And I have trained extensively since our last skirmish here. So all you do here in Elysium is train for martial competition. You're constantly awaiting your next fight to the death. And who are you to judge, you misbegotten, shameful, unfilial maggot? It is an honor to have the opportunity to spend my afterlife perpetually standing in your ruined bath. Quel raclure. Connard, mais je suis vraiment un connard. Pourquoi tu te retournes pas ? Mais j'ai toujours pas de rage, j'ai pas de... C'est ouf. J'ai pas d'ulti, c'est un peu dommage quand même. Je peux y mettre du dégât gratos. Anecdotique certes, mais quand même. Oh le con. Tridance d'un homme. Oh là là. J'aurais vraiment pu prendre moins, hein. Ça va être assez anecdotique. Oh merde, mais putain, j'y ai pas cru, comme un idiot. Enfin, j'ai cru que je pouvais juste le...
se deny. Ah, grave. Oh merci. Merci pour le... Merci pour le petit falafel. Aisé. On aurait pu prendre moi. Hein. Merde, il y avait un fan. Je perds 50 de vie si je bypass le truc, mais je peux mettre 20% de dégâts. Non, ça vaut pas le coup. Encore. Tout dépend où se placent les 20%, c'est toujours le même problème. Enfin, je garde la vie. Hein. Les pièges, y va... si, il y en aura encore quand même. L'achat des dégâts de pièges est pas déconnant. Ouais. Allez, go. I'm out of here. Ça avait 4h40, pourquoi ? No more dead to deal with at least. Oh là là, il y a les méga chairs là. Les méga chairs, c'était quoi ? C'était broken. C'était à deux niveaux d'un coup ? Non, les deux niveaux d'un coup, c'est ça et ça. C'est quoi ? C'était héroïque ? Ouais, je sais plus. Enfin, du coup, le sang, c'est vraiment... Ouais, je comprends pourquoi ça peut être sympa d'économiser pour du sang, quoi. Oui, j'ai eu du haut tout à l'heure, c'est vrai. Ah, j'ai même pas de furie, quoi. Genre même la furie d'Arès, ça serait ok tiers. Hein. Voilà. Don't spend it all in one place, mate. L'attaque en épique, c'est pas dégueulasse, hein. Lorsque vous subissez des dégâts, ça ferait vengeance. Ah, ça remplace pas ? C'est-à-dire que j'ai déjà la vengeance de Zeus. Et... Je sais plus si je l'ai. Lorsque vous tuez un ennemi, votre prochaine attaque ou technique inflige plus de dégâts. Ah oui. Aussi bien. Le problème, c'est que quand je tue un ennemi, derrière, je place une attaque. Donc en vrai... Donc ça, faut que je le prenne et que cette fois-ci, je l'utilise. C'est-à-dire que je lâche mes trucs au milieu et on s'en fout. Il les récupère au bout d'un moment, c'est ça le problème, non ? Ok, vaut mieux que j'en fasse deux à mon avis. Tout à l'heure, j'en ai fait plusieurs et ça a été un peu chaud. Argent Zeus. Hey. Athéna attaque.
C'est moins violent que tout à l'heure, hein. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Okay. La rapidité du DPS de cette merde. J'ai pas le heal de tout à l'heure, ouais, c'est... Enfin si, j'ai le heal quand je passe une salle, mais 3 quoi. Et attendez, je vais essayer de les lancer sur les murs du coup. Ah ouais, contre des petits ennemis comme ça, c'était idéal, hein. Non, c'était là-bas, non? T'es où? Oh là là! Quelle angoisse! Quelle angoisse! Ah, faut vraiment qu'il soit prêt par contre pour que ça tique, hein. Mais il y en avait un au milieu aveugle. Oh, j'ai cru qu'il allait me faire un duo encore. Ah si, Arès. It shall be exactly as you say, Lord Father. Your wishes are identical to mine. Oh. Ah ouais, mais vengeance, putain, si j'avais pris l'autre vengeance d'Arès, ouais, pourquoi pas. Et là, j'aurais eu deux vengeances qui pouvaient se mettre en mode aléatoire. Que je l'ai niveau 1, la vengeance de Zeus. Ah non, mais je sais même pas si j'ai la vengeance de Zeus, en fait. Je confonds peut-être avec la partie d'avant. Si, c'est, j'ai ça. Bon, de toute façon, tout le reste... Ah si, les effets électriques, donc... ah, oui. Parce qu'il y a les trucs, si je les laisse au sol, ça peut peut-être... si le lancer au sol, fait des zaps, ça re-zappe. Ah bah c'est un choix prêt, vas-y go. Combined power. C'était le choix. Avec 266, je pourrais pas acheter Hermès ou Zeus, je pense. Ça sera la grosse upgrade de deux niveaux, je pense. J'ai même pas besoin de prendre le gold pour avoir 300. Ouais, peut-être éviter le boss, hein. Toujours pas d'ulti. Ah oui, j'ai oublié ce détail. Merde, pourquoi j'enlève la cam? C'est pas grave. Ok. Ouais, Athéna pour la furie. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai pas d'appel, c'est la loose. KSA pour être sec, merci beaucoup. Ah
Hey, a satyr sack already. I'll just tuck that away. Okay. Coming back. Ça m'a pas vraiment aidé de faire toutes les salles, hein, la dernière fois. Là, je suis full life. Même pas un petit poisson, là. Je sais pas, les 500. Ah oui, 3 gold pour le Zeus. Cool, il s'est bien fait défoncer par ces merdes. Le problème, c'est est-ce que j'aurai 450 ? Normalement, oui. Ah, et là, ça va juste affecter Athéna, par contre. Ouais, donc bof. Je peux prendre ça en vrai. Et je l'aurai contre Zeus, contre Hadès. De toute façon, je veux Zeus ou... Est-ce que je veux Zeus ou Hermès en 500 ? Plus Hermès, ouais. Bon. J'ai vraiment fait au mieux pour pas être empoisonné grâce aux 5 dash. Ouais, parce que Hermès a pas d'appel, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai, c'est vraiment pour avoir un... Oh là là, un buff puissant. Putain, mais touche, touche. Une fois dans ta vie, bordel. Les pièges, ma grande passion. Oui. Non, 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 c'est où ? Activer les pièges. Non, non, non. Athéna.
Ah, Athéna, je lui ai jamais rien filé. I'm indebted to you, goddess, for all that you and your side of the family have done for me. Well, it simply isn't in my nature to allow such offerings to go unanswered, noble cousin. In turn, I wish for you to have this. Simp. Pendentif de hibou. De toute façon, c'est pour avoir... C'est bien fait à elle, hein, j'imagine. Jo... Non, c'était plus que 50 ? Ouais. T'as bien fait de pas acheter l'autre truc alors. Someday I'll have to tell you about mine. Invulnérable et active un renvoi contre toutes les attaques. Bah ouais. Ah mais attendez, j'ai pas pris le proc de vengeance. Ah bah c'est un choix prédestiné en plus, oui. Bah alors oui. Un grand oui. Ok. Down the chute. Maybe I should check the other passageways before I leave. Fishing point there. Ok. Hermes, I guess. You're well familiar with my professional associate there with the boat. Quoi, Poséidon? Gotta make it over to the underworld somehow. Part of my job. I bring them in. Non, le... He takes them down. Ah non, ok. J'avais cru, il parlait de bateau, mais rien à voir. Il parlait de l'autre con. Ok, Ah ça, j'ai aucun intérêt à l'avoir, quoi. Ah si, ils se délogent des ennemis, donc ils se poseront et ils feront de l'électricité, mais... Caron, il parle de Caron. Votre attaque est plus rapide. Ouais, mais l'attaque... Votre appel augmente également votre vitesse de déplacement ainsi que vos chances d'esquive pendant 10 secondes. C'est-à-dire... 33% quand même. Je comprends pas pourquoi tout le monde a dit Hermès. C'est vrai que Zeus aurait pu me filer une upgrade vénère aussi. Le 2 pour target fast ou... Bah ça ouais parce que ça va... Ouais non mais c'est ça. Ça va le poser au sol vite, on verra bien. Je suis pas sûr. Ok. Gigantic Cerberus accepts the prince's foul offering. Un cœur du mat, quoi. J'ai des frissons. Thank you, boy. Allez. Wish me luck. On est moins en paix que tout à l'heure, hein, je trouve. My brothers and my sisters and myself, we too wanted to slay our parents, the Titans, bastards, and worse. Ah Benzi, merci. Là qu'on est sur tes heures, là. Quel jeu, hein. And you succeeded. Chopped up some of them into many tiny bits and sprinkled them throughout the pits of Tartarus so they can't regenerate. Or so I hear. Inspiring, really. We had no recourse at the time save to collaborate. Developed a specific plan and saw it through. And the Titans. You think me cruel, yet know nothing of cruelty. But here, you want something to hate, then have it. Ouah, je croyais que j'étais assez loin, pas du tout. On voit le DPS. Ok, cool.
Vise-le par pitié. Ok, j'ai l'invul. Why have you forced me to confront you here again? It beats having to live within your house. Would that you could be useful there from time to time. Would that you could shut up and fight. I'll happily oblige. Suitably by now. Tellement péché. Out of my sight. Athena, the fury of Olympus. You cower underneath Athena's shield. Quel con. Oh là là, direct dessus. Quel talent. Merci, ainsi. Goodbye. Jean Massy, Acropolis, qui nous raide pour le GG et sûrement la fin du stream. Putain, on a même pas perdu de vie. Finalement, ce build était OP. Mais Athéna nous a sauvés, hein, parce que là, on a pu le full blast. If you find her, on l'a mis mid-bar, quoi. If you somehow find her, tell her something for me. Tell her Cerberus is doing very well. What? Wait, I don't think I owe you any favors here. So answer me one question and I'll give it some thought, how's that? I know your question, boy. But ask it anyway. Persephone. My mother. Why did she leave? I... Blood and darkness. There is no escape. Goodbye, father. On n'aura pas la réponse tout de suite. Qu'est-ce que... Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi on me montre... Je peux conserver un truc? Pourquoi on me... C'est juste pour le LOL ou... C'est juste pour voir mon build, hein? Ouais. Le barge impitoyable aussi, qu'est-ce que ça nous a mis bien. Incroyable, l'upgrade des dalles là, qui fait que je mettais 4 flèches en plus en auto-aim, qui faisait les coups critiques de la mort là. Les runs font une heure, celle-ci a fait 1h40. Hein. C'était vraiment un bon build, ouais. Et en effet, l'arc de Charon, l'arc de Chiron, là, Chiron, c'est n'importe quoi. Mais du coup, ça va être compliqué de jouer autre chose, parce que vu qu'on a full banqué dessus... Revenir à une épée ou à un truc de base. Enfin ouais, 53 minutes in-game, mais... Là, j'ai lancé le local record il y a 1h40. Ah, cool.
Ça c'est très cool. Et c'est de ça dont on a besoin pour upgrader les armes. Ok. I made it. Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, and onward through the cold. Sure hope this works, Nix. The surface. Windswept, racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense of awe and the sublime, for it is unlike anything that he has seen. It's beautiful. Is this? It can't. Je suis pas allé au bord, dommage. Wow! C'est Farmer's Market sur Core Games. Who's there? Hello? Maman? Hello indeed. Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. Speak up. You must be Persephone. My name is Zagreus, and I think I might be your son. What? How dare! Get out of here! Get out, or I shall make you! Out with you! No! No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. Why did you leave me? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. But now you're standing here before me. How? I died? I died? What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, gods. You never even knew I existed either. Alive. Zagreus, he even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Oh, the cruel fates. My son. Mother. In short, I beat him, finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ah, he told you that, did he? That's good. That's good. Though, tell me something, Zagreus. How is it that you found me? To have journeyed all this way, I scarce believe it. Zagreus? Oh, it's... Guess I'm just a little tired, that's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. No. No, that isn't it. It's that... You cannot stay here. You can't stay here. Really, you're... kicking me out? Why? The fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye. For now. My heart soars knowing you live. Then it breaks,
that our time together was so brief. No, I can come back. I can come back. Now that I found you, maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he, or for that matter, Nyx, never sent notice that you lived. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to think that they were different. I'll tell him. I feel awful. I have to go. The Styx shall take you then. Oh, Zagreus. Farewell, my son. Won't you come back to me? When you are able, please. Come back. Oui, maman. Je me taperai des hydres, des minotaures et papa à chaque fois que j'aurai envie de boire un petit féca, quoi. C'est terrible. Aïe. I have to get back there. Bah évidemment. Pas un roguelite pour rien. C'est trop bien et à chaque fois on redébloque des trucs. Ça se trouve là je vais recommencer une partie, il va encore y avoir plein de trucs qui vont se débloquer. Insane. Très bien. C'est bon, nous l'avons fait, nous avons terminé notre premier run. Si je ne m'abuse, ça devait être notre 10e partie. Peut-être 11e. C'est cool. Des bisous YouTube. Et ce n'est que le début d'une longue aventure. À bientôt.